toi, Jay. Tout le monde t'attend, mon chéri. Alors, comment va-t-il? L'état s'est stabilisé. On a encore beaucoup d'examens à lui faire passer. Oh, c'est trop injuste. Tout ça, c'est de ma faute. J'aurais pas dû le laisser aller au ravin. Ne culpabilisez pas les accidents, ça arrive. Vous n'êtes pas responsable. Où est-ce que je suis? Entre Rock Street et Hard Place. Faut que je retourne chez moi. Il va falloir que tu demandes la permission à Brad. Et pourquoi j'aurais besoin de sa permission? Faut l'avoir, sinon tu peux rien faire. C'est notre chef. Ouais, il a au moins 15 ans. C'est le plus vieux. Il est très fort. Où est-ce que je peux le trouver? À la Grande Tour. C'est ça, à la Grande Tour. Oh, c'est vachement loin. C'est dur d'y rentrer. Qu'est-ce que c'est que ça? Dingue! Tu veux te faire arrêter? Mais pourquoi? Parce que t'es différent. Peut-être qu'ils m'auraient filé un coup de main. Tu plaisantes? Ils auraient pu nous arrêter. Mais pourquoi? Ils n'ont pas besoin d'avoir de raison. Ils travaillent pour Brad, c'est tout. Vous avez vérifié les moniteurs? Vous avez passé plus de 29 heures à le veiller. Vous devriez aller vous reposer un peu. Oh non, ils pourraient se réveiller. Madame Ziegler, votre fils est dans le coma. Le coma? Il se peut qu'il reste ainsi quelque temps. Ce sera long? N'en sais rien. Je vous assure que notre équipe fait tout ce qu'elle peut. Ce que nous pouvons dire, c'est que le cerveau n'a subi aucun traumatisme. Mais nous devons attendre son réveil pour en être sûr. Mais je voudrais tellement l'aider. Vous l'aiderez encore mieux quand vous serez reposé. Quand vous reviendrez, apportez-lui des objets personnels. Des choses qu'il aime bien. Ça peut aider. Entendu. Merci. Personne ne t'oblige à traîner avec nous si tu ne veux pas, Alpha. Qui t'a dit que je ne voulais pas? C'est comme ça t'arrange, hein? Tu crois que je vais le laisser seul avec toi? Tu rêves, Flash. S'il veut, il pourrait faire partie de mon club. Toi, t'en as pas. J'en aurai un. Ah ouais? Et qu'est-ce qu'il voudrait de toi? J'en sais rien. On ferait une superbe équipe tous les deux. Allez, arrête, tu oublies qu'il n'est pas de chez nous. Oh non. Viens vite! Arrêtez-le! Tirons-nous d'ici! À gauche, vite! Allez! Suivez-moi. Venez, par ici. Je t'avais pourtant dit de faire gaffe à ces deux-là. Qu'est-ce que j'ai encore fait? T'as arraché une affiche. Et alors? En tant que membre du club de la bibliothèque, je fais don de ce livre à la civilisation. Je sais, Bentley. Il me manque aussi. Et si on lui emmenait ça? Tu crois que ça lui plairait?
On lui prend le télescope. Tu crois qu'il le veut, ce télescope? Je vais le lui rapporter. La meilleure chose que tu puisses faire ici, c'est de ne rien toucher. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, j'en sais rien. Je crois que c'est là où j'habite, c'est l'endroit où je vais aller. Regardez, ici c'est ma maison, près de la rivière. Et le fort est ici. J'aimerais bien pouvoir me rappeler de tout. Je te tiens. Au nom du grand Brad, je t'arrête. Qu'est-ce que j'ai fait? Tout ce que tu diras pourra se retourner contre toi. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Tu sais que Jay est à l'hôpital. Et alors? Je crois qu'on devrait aller voir sa maman pour s'excuser. Moi? Et pourquoi est-ce que j'irai? Il serait pas tombé si tu ne lui avais pas volé son télescope. Ah ouais? Et qu'est-ce qu'il lui a dit de revenir pour récupérer son joujou? Hé, regardez. Devinez qui je suis. Lève-toi, pauvre taré. Génial. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Jay nous attire que des ennuis. Il faut le sortir de là. Après tout, c'est notre faute s'il s'est fait arrêter. Non, c'est pas vrai. Et si j'en parlais au président de mon club? On ferait une pétition qu'on leur enverrait pour qu'il le libère. Tu parles, ça marchera jamais. Alors t'as une meilleure idée? Il va y avoir un procès. Je crois que... on pourra aller là-bas et voir ce qu'on peut faire. C'est pas bon du tout. Si jamais ils nous voient... ils nous reconnaîtront. On pourrait se déguiser, c'est facile. Et où on trouvera les habits pour se déguiser? Ah, j'en sais rien. On trouvera bien des fringues. D'accord. Mais c'est moi qui parlerai. Et qu'est-ce qui me dit que tu vas pas me jouer un sale tour? Donne-moi un truc. Qu'est-ce que tu veux? Le bouquin que t'as trouvé. Et moi, qu'est-ce que j'ai? Mes lunettes de plongée. Bonjour, mon chéri. J'espère que Bentley et moi, on a fait le bon choix. Premièrement, une ovation pour notre maître à tous. Ouais. Et maintenant, laissez-moi vous présenter l'efficacité même, l'élément le plus brillant de toutes les troupes de Brad. La présidente de votre procès d'aujourd'hui, je vous demande de recevoir la belle, la ravissante Bar. Ouais. Général, j'ai nommé notre cher Finger. Ouais.
Aujourd'hui, le prévenu est un étranger. Un dénommé Jay, n'appartenant à aucun club. Il a défiguré, froissé, puis sali avec obstination cette superbe affiche de notre grand bras. La punition requise est la suivante. Il devra mettre ses frusques d'avant-garde et devenir la force motrice de la voiture de la justice. Tu vas pédaler, bonhomme. Je n'ai rien voulu faire de tout ça. Je ne savais pas. C'est ce qu'ils disent tous. C'est ce que disait Rolf. Maintenant, je voudrais trois individus justes et impartiaux pour constituer le jury. Est-ce qu'il y a des volontaires? Donnez votre nom et votre affiliation. Je m'appelle Kink, club des réparations. Phil, je creuse des trous. Asseyez-vous par là, mes amis. Allez, encore un. Et moi, je vais bien. On m'appelle Flash. Je représente le club de la piscine. Le club de la piscine? Qu'est-ce que c'est que ce club? En quoi ça consiste? On donne aux enfants des cordes de natation. On les initie au waterpolo. Oh, des trucs comme ça. Quelqu'un veut-il se voir confier la tâche ingrate de défendre l'accusé? Moi, votre honneur. Et qui es-tu? Je m'appelle Alpha, club du livre. Parfait, nous allons pouvoir commencer. Accusé, que plaidez-vous? Il est innocent, c'est une arnaque. Non coupable, votre honneur. Je ne parle pas au prévenu, mais à son avocat. Ce procès bidon, il court à sa perte. Coupable, mais avec une explication, votre honneur. Non, attendez, j'aurais voulu en discuter avec mon avocat d'abord. L'accusé est encore rappelé à l'ordre. Si vous voulez vous adresser à la cour, faites-le par votre avocat. Comment puis-je le faire par mon avocat si je ne peux pas parler avec lui? Nous l'avons déjà accordé. C'est bon, allez-y. Je plaiderai pas coupable, t'entends? C'est pas coupable, c'est coupable avec une explication. Et alors, quelle est la différence? On va jouer la pitié. T'es un pauvre petit garçon perdu, sans rien, sans club. Tu t'en remets entièrement à la merci de la cour. Tu pourras pleurer. Mais je suis innocent! Ils te chargeront deux fois plus si tu plaides innocent que si tu plaides coupable. Crois-moi, ils sont vicieux. Mais qu'est-ce qui se passera s'ils découvrent que je suis innocent? Ça n'arrive jamais. J'appelle à la barre notre tout premier témoin. Précédemment chargé de la rédaction des petites annonces au service de nos clubs, et aujourd'hui cycliste d'envergure qui a fondé son club. Rolf. Rolf, jures-tu de fuir toute contre-vérité, toute fabrication de ton esprit devant notre grand Brad? Hein? Tu vas nous mentir, Rolf? Ah non, monsieur. Ah, je vous jure, je mens pas. Objection, votre honneur. Qu'y a-t-il maintenant? Laissez-moi vous rappeler le fait suivant. Ce cher Rolf est votre chauffeur. Je soupçonne que vous ayez conclu un marché avec lui. S'il témoignait contre mon client, alors il n'aurait plus à pédaler pour vous. Es-tu en train de m'accuser d'inconvenance? Non, pas du tout. Mais il se trouve que Rolf serait prêt à dire n'importe quoi pour se débarrasser de cette corvée. C'est vrai? Oh, ça non, votre honoraire. Voilà qui est réglé. Objection rejetée. Continue. Rolf, dis-nous avec tes propres mots ce que tu as vu, ou plutôt la vilaine chose qu'a accompli le prévenu. La première chose que j'ai vue, c'était ses yeux. Ses yeux? Eh bien, qu'est-ce qu'ils avaient? Ils étaient très proches l'un de l'autre, le signe d'un esprit criminel. Très intéressant. Mais la cour voudrait savoir ce qu'il a fait exactement. Il a crayonné sur le poster du grand Brad, et puis il l'a chiffonné, et ensuite il l'a fait voir à tout le monde, comme s'il en était fier. Il est coupable, c'est à lui de pédaler. Je n'ai plus rien à ajouter.
Vas-y, entre, Donat, je ne pas. Ça a dû être un choc terrible pour toi. Tenez, c'est son livre préféré. C'est l'histoire du roi Arthur. À chaque fois, j'oubliais de lui ramener. Je suis sûre qu'il appréciera ton geste. Madame Ziegler, je veux que vous sachiez que je suis vraiment désolée. C'est moi qui lui ai dit de retourner au fort. Tout est de ma faute. Oh non, ma jolie, ne dis pas ça, tu n'as rien à te reprocher. On ne peut rien contre les accidents. Je veux que tu t'enlèves ça de la tête. Reconnais-tu avoir gribouillé cette affiche? Oui, je le reconnais. Qu'est-ce que ça représente, au juste? C'est le plan du quartier où j'habite. Me rappelle étrangement quelque chose. Comment t'es-tu procuré le plan de la tour secrète? Quoi? Je comprends rien à ce que vous dites. Ce que l'accusé a dessiné est une information classée top secret par le cercle privé. Où l'as-tu trouvé? Je n'ai rien trouvé. Je l'ai dessiné de mémoire. Est-ce que ça veut dire que tu reconnais les faits, accusé? Plutôt mourir! Ce procès est bidon et tout à fait injuste. La vraie justice n'écrase pas les petits au profit des grands dadais. On n'enferme pas seulement quelqu'un parce qu'il est différent. La vraie justice est celle qui donne le droit de se défendre, celle qui vous donne la chance de raconter toute votre histoire. Ils vous écoutent, peu importe qui vous êtes, d'où vous venez ou à quoi vous ressemblez. Même si vous êtes un étranger un peu seul. Waouh, il assure mon client. Où est-ce que tu vas comme ça, sale mioche? Non! Je vais t'apprendre le respect, moi! Il est innocent! Il est innocent! Il est innocent! Il est innocent! 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 C'est toi qui influences le jury? Innocent! Innocent! Moi? Innocent! Non! Innocent! 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 Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que tu fabriques avec ce livre de la bibliothèque? Les enfants ne sont pas autorisés dans la salle de soins intensifs. Mais je ne fais rien de mal. Désolé, c'est trop impressionnant pour un enfant. Oh, mais je suis déjà allée dans plein d'hôpitaux. C'est le règlement. Je n'y suis pour rien. Ne t'inquiète pas, je trouverai le moyen de te faire entrer. Au revoir, Jay. Eh bien, je l'ai emprunté. Eh oui, j'ai même une carte. Oh. Alors, tu vas nous en lire une page? Il était une fois, il y a ma foi, fort longtemps. Je suis un vieux monsieur aujourd'hui. Mais je n'étais plus non plus de la première jeunesse quand Arthur fut couronné. Tu ne sais pas lire, n'est-ce pas? Et ce livre est à toi. Est-ce que le jury a vu? Après toutes ces belles phrases sur la justice, ces trois-là n'ont pas hésité à mentir. Maintenant, ça suffit. Envoyez ces trois vauriens à la mission de l'amitié pour leur rééducation. La séance est levée. Et vite, suis-moi. Dépêche-toi maintenant. Il suffit. Qu'est-ce que tu fais, Magdoua? C'est moi qui vais aller pas elle. On va se faire choper.
Markel et moi. Lâchez-moi! Oh, doucement! Oh, mais c'est à moi! C'est sympa d'être revenu pour moi. C'est normal. Vous aussi, vous êtes revenu pour moi. Je voudrais bien savoir où est Flash. Il doit être encore en train de courir. Possible.